Wesh les gars, vous trouvez dans la description mon site malexsgo.fr où je référence tout le meilleur matos. La semaine dernière, les frérots, on commençait à parler rumeurs, il y avait des bruits de couloir, on comparait les équipes, les joueurs, les machins, les sites, tout le monde avait un avis, je voyais un petit peu vos commentaires sur YouTube, ça me disait ci, ça me disait ça. Aujourd'hui, il y a du concret chez Complexity, ça y est, on a recruté Esse Tag, le joueur danois. Donc je pense quand même que c'est une belle plus-value. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, ben voilà, quand même chez Complexity, faut pas se le cacher les amis, c'était entre guillemets bien parti. C'était entre guillemets bien parti. Et après ça a un peu dégringolé, on sait pas trop pourquoi. Donc le cœur de joueurs qui était danois, ben ils ont recruté un danois. Voilà, Config qui est leader in-game, hein, BlameF pardon, qui est leader in-game. Recrute un danois. On a Config également qui est le capot de cette équipe, le deuxième star player de cette équipe, qui lui aussi a un pouvoir de parole, un leadership, un capitana et donc un pouvoir de décision très important. Recrute un troisième danois. Donc vous sentez là encore une fois l'influence des coulisses, un petit peu des sournoiseries qui peuvent être créées entre bah voilà, les changements de joueurs, etc. On le sait qu'en France aussi, on parle systématiquement de copinage et tout pour percer dans l'e-sport et tout. Bon, et Esse Tag, c'est un gros joueur. Mais vous voyez que là encore, bah, on kick un joueur pour faire venir un Danois qui est potentiellement un pote du trio, on va dire, leader de ce projet-là. Et c'est Rush qui a été kické, pour ceux qui ne le savent pas, l'Américain. Donc actuellement, il y a JKS, Poison et les trois Danois. Donc l'équipe, sur le papier, a l'air quand même un cran au-dessus. Rush est un support player, peut-être que, voilà, plus d'envie, plus de machin. Champion de Major, je rappelle Rush, les amis. Et surtout, je ne sais pas quel avenir va lui être réservé à Rush, étant donné que la scène américaine est absolument détruite, anéanti. Donc transition Valorant, je sais pas, mais pour le coup triste de voir un Rush partir, parce que je trouve que c'est un joueur extrêmement polyvalent, très complet et un gros support player. En fait, c'est clairement pas un star player, c'est clairement pas un gros scoreur, mais c'est certainement un joueur qui a un gros apport dans un projet. Et donc le voir comme ça payer un petit peu les pots cassés, c'est criant de vérité aussi du point de vue staff, du point de vue technique dans le staff. Pourquoi? Parce que Complexity, c'est une structure américaine. Rush était le dernier joueur américain dans ce projet-là. Donc très certainement qu'on a tellement envie de réussite, on a tellement envie de succès chez Complexity qu'on est prêt, entre guillemets, à kicker le dernier joueur américain qui pourrait rallier un petit peu la communauté américaine à ce projet-là pour garder son identité, pour garder un petit peu sa ferveur, à recruter des Danois. Donc pour moi, c'est un changement qui est criant de vérité à analyser de l'extérieur, quoi. De l'intérieur, en France, je connais des coulisses, je sais qui est copain avec qui jouera jamais avec qui, les embrouilles, les machins et tout, on les connaît, bon, parce que je suis un peu dans le truc. Mais de l'extérieur, moi, ces mecs là je même si bon, BlameF c'est un pote, les autres je connais pas, et de toute façon BlameF je lui parle pas pour ces trucs là Mais c'est pour vous expliquer que même de l'extérieur, on arrive un petit peu à analyser, à déceler un petit peu des failles et que c'est la même partout en fait. Compliqué. On reste dans le mercato les amis, on reste dans le mercato et on va parler de Fnatic. Je sais pas quelle est votre prononciation, mais Fnatic quand même, club légendaire de l'e-sport de manière générale. Hein, CSGO, League of Legends et j'en passe. Qui a kické donc Golden il n'y a pas très longtemps, ça j'en avais parlé, mais également DW, donc encore une grosse légende qui s'en va. DW qui a fait un statement comme quoi transition Valorant pour DW, sauf si un projet international sur CSGO d'un gros calibre se mettrait en place. Mais bon, je vois pas comment DW pourrait rebondir sur CSGO à l'heure actuelle et je vais vous en parler dans une seconde. Et les recrutements sont Alex, le français, le franco-anglais, hein, le franco-anglais quand même, il est anglais aussi, il faut pas l'oublier, mais il a perdu en finale de l'Euro contre l'Italie. Je sais Alex que tu vas regarder cette vidéo, je t'aime mon frérot, mais voilà, l'Italie t'a mis à l'amende frérot. Hein, et tu diras à ton coach de pas faire rentrer deux tireurs de coup franc à 15 secondes de la fin du temps, pas réglementaire, mais du temps des prolongations. Et Mezzi, un autre anglais aussi,
qui va rejoindre Fnatic, qui va devenir donc international et qui va communiquer, je pense, en anglais à partir de maintenant. Pas je pense, c'est même très certain qu'ils vont communiquer en anglais. Donc je trouve que Alex est à l'heure actuelle le meilleur choix, pas parce que c'est un pote, mais surtout parce que c'est un très gros élément. C'est un leader in-game qui sait scorer, c'est un leader in-game, j'ai envie de dire hybride, un peu à la glaive et tout, qui est capable justement de tout faire, de support, d'être plus ou moins un star player, de changer son rythme, d'être solide en défense, qui est capable de pivot, mais qui est capable aussi de fixe et tout, donc très solide. Mezzy, je connais pas assez le profil pour vous en parler, donc j'attends de voir avec ce projet-là ce que ça va donner. En tout cas, Alex avec Crims, ça, c'est une connexion que j'aurais jamais pu imaginer. Je pense que lui non plus. Mais moi, ça me fait rêver. Crims est un joueur que j'adore. Alex avec Crims, j'aime beaucoup. Donc, félicitations, Alex. Je te souhaite beaucoup d'amour. Et pour DW, donc pour revenir à DW et sa transition Valorant, etc., CSGO, est-ce que oui, est-ce que non? On a Get Right qui ne trouve pas de projet depuis plusieurs mois. On a Kenyes qui trouve pas de projet depuis plusieurs mois. Kenyes, pour moi, est bien meilleur que DW. DW, il y arrivait plus du tout chez Fnatic à la WAP. Donc, il a changé de rôle. Il est devenu rifle pivot support. En tant que pivot support, il avait des scores de pivot support. Quoi. Donc, il était à 0,90 de rating. 0,90 de rating. Donc, statistiquement, il s'en sortait pas. Très certainement que son moral baisse aussi. Sa confiance baisse aussi. Donc, peut-être qu'il veut faire transition line-up international en mode mercenaire pour essayer de braquer encore un gros salaire sur CSGO, mais pour moi c'est finito, dans le sens où il aurait jamais dû faire sa transition support, sacrifice à l'équipe, on prend une pépite à la WAP et on lui donne tout. Je pense que GW était un très bon sniper, peut-être qu'il a eu une mauvaise passe à un certain moment, mais regardez le niveau de Kenyes. Kenyes n'est jamais passé entre guillemets support rifle, il est passé dernièrement chez G2 support à tenir les lignes à la WAP et à stuffer pour les autres, oui, mais il a toujours snipé. C'est un sniper pur, Kenyes, et son talent brut, on peut le voir, il est tous les jours en stream en FPL et tout, il casse des gueules. Côté GW, c'est plus du tout le même skill que ce qu'on avait l'habitude de voir avant. Donc très clairement, pour moi, il y a une baisse de forme, mais également une baisse de morale qui fait que sa forme baisse encore plus. Et donc, rebondir où ses ambitions veulent le mener, je trouve ça très compliqué. À part s'il va dans un tier clairement, entre guillemets, en dessous. Chez Mooze, par exemple, tu vois, un projet tier 2 prétendant gros tier 1, mais voilà, projet OG, et encore, je suis même pas sûr qu'ils le veulent. Ils ont Mantou qui s'en sort très bien. Chez Complexity, ils ont Poison qui s'en sort très bien. Il n'y a pas nécessité d'avoir un GW. Vous comprenez bien que voilà, chez FaZe, ils ont Broky à la WAP. J'ai entendu Kenny à chez FaZe, etc. Il n'y a pas d'intérêt d'avoir ces mecs-là. Toutes les personnes que je viens de citer sont des très bons snipers. Ce sont des jeunes snipers qui sont bien moins chers en termes de masse salariale, qui ont bien moins d'ego que du GW, que du Get Right, que du Kenyes, que tous ces mecs-là. Donc moins d'ego, plus facile à gérer. C'est une gestion humaine plus facile pour du staff, pour des joueurs, pour faire un travail d'équipe, etc. Donc le recrutement, à l'heure actuelle, il est beaucoup plus, on va dire, réfléchi que ce que vous imaginez juste sur le papier. Il faut prendre lui, il est fort. Il est fort, oui, mais il coûte cher, il va avoir de l'ego, c'est quelque chose à régler, etc. Prendre un Broky à la WAP, zéro problème, il est trop fort. Il coûte beaucoup, bien moins cher. Il coûte pas, il n'est pas gratuit, mais il est bien moins cher que du DW, par exemple. DW, les gars, je peux vous assurer que c'est une star internationale, c'est double champion major, titré sur absolument tout ce qui existe sur CSGO. C'est une légende de Counter-Strike, DW. Donc, incroyable. On passe toujours sur du mercato, les amis, mais cette fois, on va chez Astralis. Chez Astralis, il y a des rumeurs dans tous les sens. Comme quoi, Magisk s'en irait, Dupré s'en irait, Xipnix s'en irait. Et donc, il resterait que Glaive. Très récemment, donc, on a eu les infos, c'est officiel. Il y a une re-signature de contrat de la part de Glaive pour Astralis de 3 ans. Je vais m'étaler là-dessus. Mais avant ça, je vais vous parler également de la nouvelle recrue d'Astralis, Lucky. Gros sniper, joueur de chez Trickhead. Clairement, la scène danoise, dans son identité, n'a jamais eu de sniper. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos, Device n'est pas un sniper de formation. Device était un joueur super malin, qui était un gros rifle et qui est devenu un très bon sniper. Et il a dû travailler beaucoup et c'est pour ça que c'est un des meilleurs snipers. C'est parce que c'est un joueur extrêmement intelligent qui a su se convertir au rôle de sniper.
Et aujourd'hui, c'est un gros sniper. Mais Lucky, c'est un sniper de formation, donc profil vraiment rapide. Des flick shots incroyables et tout machin. Et vous allez voir, je peux vous mettre ma parole en jeu. Je vous garantis que ce mec-là va vous époustoufler. C'est quelqu'un de vraiment très très bon. Pour ceux qui suivent un petit peu mes pronos, j'ai beaucoup pronostiqué Tricked et tout. Et notamment parce que j'ai regardé des matchs et je voyais Lucky, le potentiel et tout. Très 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 bon. On sent clairement qu'il était un cran au-dessus. Glaive re-signe 3 ans. Donc ça pour moi aussi c'est criant entre guillemets de vérité. J'essaye d'analyser ça. Pour qu'un joueur comme Glaive re-signe 3 ans, ça veut dire qu'on va créer un projet sur du très long terme. 3 ans, donc peut-être une reconstruction. On vient, on prend Lucky. Donc très certainement qu'il n'y aura plus les Astralis qu'on a connus. Je pense pas qu'on va réavoir des star players comme Magisk, Dupré, Glaive et Xipnix dans le même projet. Mais très certainement un deuxième. Voilà, je pense, un deuxième peut-être pour essayer d'encadrer des jeunes pépites danoises qui vont être formées par Glaive sur du long terme. Donc ça va faire une grosse transition. Et attention, je vous le dis tout de suite, je vais mettre ça en concurrence avec Vitality. Parce que chez Vitality, on a fait le choix également de prendre du Nivera, de prendre du Mizuta, de prendre du Kyojin. Et on voit que c'est très compliqué, en tout cas pour les Français. Chez d'autres équipes, ça a été payant. Chez Mouz notamment, encadré par Karrigan, des Rops, des Frozen, ça a fonctionné. Chez Mouz avant, avec du Woxic, ça a fonctionné. Chez FaZe, du Broky, etc., ça avait fonctionné aussi. Côté Astralis, on va voir si ça va prendre aussi, parce que c'est une transition qui va être longue, c'est de la transmission d'une génération à une autre. Donc j'attends de voir ça. Il faut savoir que Glaive est un super, super, super leader in-game. Je pense qu'il a tout ce qu'il faut au moins pour transmettre. Je suis prêt à, pas à parier, mais à vous donner mon avis là-dessus. Je pense que ça va fonctionner pour les Danois. Qu'est-ce qui marche pas chez les Français? C'est mon avis là-dessus. Je m'exprimerai pas là-dessus parce que j'en ai marre de prendre du bashing là-dessus. Mais clairement, je vais mettre ça en concurrence et j'attends de voir. Si ça passe d'un côté et que ça passe pas de l'autre, ou en tout cas que ça continue de pas passer de l'autre côté, attention, je vais serrer les vis. Donc voilà le point Mercato, on attend encore une fois pas mal de news, hein. Là juillet, août, c'est transition dans tous les sens, il y a des fins de contrat et tout, donc à savoir ce qui va se passer. Est-ce que vous avez kiffé? Vous n'êtes pas prêt pour la suite.